Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Tout dépend de ta volonté, Seigneur, et rien ne peut lui résister. C'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qu'ils contiennent. Tu es le maître de l'univers. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous prierons intensément pour tous ceux qui ont été victimes de la tempête Alex, pour tous ceux qui viennent leur porter secours. Demandons par l'intercession de la Vierge Marie que se mettent en place autour de toutes ces personnes qui ont perdu l'un des leurs, qui ont tout perdu, que se mettent en place des œuvres de miséricorde, de proximité. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison, Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison, Christe, Christe, eleison. Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je m'étonne que vous abandonniez si vite celui qui vous a appelé par la grâce du Christ et que vous passiez à un évangile différent. C'en est pas un autre. Il y a seulement des gens qui jettent le trouble parmi vous et qui veulent changer l'évangile du Christ. Pourtant, si vous-même, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit et je le répète encore. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Maintenant, est-ce par des hommes ou par Dieu que je veux me faire approuver? Est-ce donc à des hommes que je cherche à plaire? Si j'en étais encore à plaire à des hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Frères, je tiens à ce que vous le sachiez. L'évangile que j'ai proclamé n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur, dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Justesse et sûreté les œuvres de ses mains, sécurité toutes ses lois. Établi pour toujours et à jamais, accompli avec droiture et sûreté. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. À jamais se maintiendra sa louange. Le Seigneur garde pour toujours mémoire de son alliance. Alléluia, 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 alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures, en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et le donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit, va et toi aussi, fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. L'évangile que Paul annonce est l'évangile du Christ crucifié et ressuscité, de l'amour plus fort que la mort. Frères et sœurs, cet évangile, nous le voyons mis en acte par Jésus lui-même dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection. L'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Et dans la parabole dite du bon samaritain, en réponse à la demande du légiste, eh bien, nous découvrons ce que veut dire aimer. L'amour qui ne se paie pas de mots. L'amour en vérité. La question de ce docteur de la loi est « Qui est mon prochain ?» La réponse de Jésus à travers la parabole et de lui faire se poser la question « De qui te rends-tu proche ?» Et c'est bien ce qu'a fait Jésus tout au long de son existence. Il s'est rendu proche jusqu'à la croix de tout être humain. Il s'est rendu proche de ce qui semble les plus lointains, de ce qui semble les plus exclus, de ceux qui sont les plus petits. Il s'est approché. Regardez, frères et sœurs, le nombre de fois où Jésus, dans l'Évangile, s'approche de quelqu'un dont personne n'osait s'approcher. Il nous est dit, c'est souvent, Jésus s'approcha. Le premier des Samaritains qui s'approche de l'humanité, laissée à moitié morte au bord du chemin, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui met l'huile et le vin de la bonté divine sur les plaies de l'humanité, par sa mort sa résurrection, qui sont les signes de la miséricorde du Père. Et Jésus nous entraîne, comme ce Samaritain a ensuite entraîné l'aubergiste. On n'en parle pas souvent de cet aubergiste. Mais en fait, le Samaritain ne reste pas tout seul pour aider cet homme tombé au bord du chemin, pour prendre soin de lui. Il entraîne l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui ». C'est ce que nous dit Jésus. Et il veut que l'Église soit un véritable réseau de charité, que l'Église soit cette auberge où le bon Samaritain laisse l'homme blessé, où on continue en son nom, avec lui et par lui, à prendre soin de tous les blessés de la vie. Alors, frères et sœurs, comprenons bien que nous avons à nous faire prochains, que l'Église a à se faire proche, non pas de tel ou tel homme, mais de tout homme. C'est bien ce que dit Jésus au début de la parabole, quand il disait « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho ». Un homme. Il n'est pas désigné par autre chose, par une identité. Il est désigné par son identité la plus profonde, la plus générale. Un homme. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette touche le vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous témoigner la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur rythme d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous envoyais ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé de près de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre archevêque Jean-Marc, et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre Assemblée. Nous te présentons particulièrement une famille qui demande la réconciliation. Tout le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui sont morts dans la paix du Christ. Nous te confions Marie-Claude Mestre et Monique Ribler. Nous te confions aussi les victimes de la tempête Alex. Souviens-toi de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous aimons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie, où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous pécheurs, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. À nous tous, nous ne formons qu'un seul corps, puisqu'il n'y a qu'un seul pain, nous qui communions au même pain et à la même coupe. Unissons nos prières. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous propose, frères et sœurs, que nous présentions à la Vierge Marie les prêtres du diocèse qui commencent ce matin leur retraite avec notre archevêque, prêché par notre archevêque, Monseigneur Jean-Marc Aveline. Retraite prêchée à partir de la vie et des textes du bienheureux Charles de Foucault, qui est venu dans cette basilique par deux fois et qui a au moins une fois célébré l'Eucharistie lui-même. L'ange du Seigneur porte un annonce à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, priez pour nous, Notre-Dame de la Garde. Priez pour nous, afin que nous devenions dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à chacun et à chacune, que vous soyez dans cette basilique ou que vous nous ayez rejoints par le moyen de KTO.